Ok, ça fait bizarre de retourner sur YouTube après tant d'absence. Hola, je vous retrouve enfin. Il s'est passé énormément de trucs entre temps, depuis la dernière vidéo et aujourd'hui. Il y a eu vraiment trop de trucs qui se sont passés, il faut que je vous raconte tout ça. Je vous avoue que j'ai pas du tout eu le temps de... Ok, je vous avoue que j'ai pas du tout eu le temps de filmer d'autres vidéos depuis que j'ai ma boutique. C'était quand même assez compliqué, genre je pensais avoir plus de temps pour moi, mais vraiment ça me prend énormément de temps. J'ai pas pu vous tenir au courant sur YouTube. Après, ceux qui me suivent sur Instagram ont pu déjà voir pas mal de trucs qui sont passés. Par exemple, numéro 1, je n'ai plus de dread. Genre ouais, j'ai plus de dread, je les ai démêlés. Je vais vous montrer ça aussi dans la vidéo. Je vous mettrai des petites séquences de quand je me suis démêlé les dreads et à quel point c'était relou. Bon là mes cheveux ne ressemblent absolument à rien. Aujourd'hui je vais aller chez le coiffeur, je vous amène avec moi. Et on va commencer déjà par mes petits ongles, parce que en ce moment je me sens pas super belle. Genre je sais pas, il y a des périodes comme ça où on sent un petit peu moche. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de me faire une journée vraiment juste pour moi. Genre une journée, je vais pas dire glow up parce que ça pue du cul, genre... Juste une journée pour moi où je fais les trucs que j'aime bien. Ça fait 10 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. Trop bizarre. Et voilà, donc je vous amène avec moi sur ma petite journée. Et puis... Bah j'espère que vous m'en voulez pas trop pour mon absence. Ma petite sushi. Pour ceux qui n'avaient pas vu sur Insta encore, ma petite voiture est rose. Faudra que je vous fasse une petite vidéo dessus, peut-être que ça peut être cool. Parce que je voulais pas vraiment présenter et en vrai... C'est un peu comme si c'était mon bébé, donc il faudrait quand même, je pense. Putain, j'avais oublié qu'à Limoges, les gens étaient pas du tout habitués à voir des gens avec des caméras. En train de se parler à une caméra, du coup. Je suis là dans ma voiture en train de parler à ma petite caméra et enfin en train de vous parler et les gens me regardent comme si j'étais complètement teubée. Bref, c'est parti, on y va. Ce doux bruit. J'aime tellement le bruit de cette voiture. Et j'ai même pas mis mon GPS. Ça y est, j'ai fait mes ongles. Je suis trop contente. Je vous montre, c'est trop beau. Et là je suis en train d'attendre au drive, je sais c'est pas bien, mais parce qu'il faut absolument que je mange et j'ai encore une petite demi-heure là avant d'avoir mon rendez-vous pour mes cheveux. Voilà. Je suis vite fait aller à la boutique chercher une chemise parce qu'en fait il fait grave froid, genre trop bizarre ce temps. J'ai peur d'avoir froid chez le coiffeur vu que je vais pas bouger pendant 3 quarts d'heure ou beaucoup plus, je pense beaucoup plus, vu qu'il y a coupe, couleur et tout. Ça du coup c'est une chemise qui est à la boutique normalement. Mais je la remettrai, je vais la relaver et je vais la remettre en boutique. Ou sinon je vais me la garder parce qu'en fait je l'aime bien. J'adore ce petit col pelle à tarte, genre bien cool. Et après normalement je vais voir Jade cet après-midi je crois pour boire un petit café. Ah, regardez mes ongles, ils sont trop beaux, je suis trop contente. Donc là je vous amène avec moi chez le coiffeur. On va faire de ça là un truc potable. Et puis je vous retrouverai après. Pour ceux qui me connaissent pas encore, j'ai eu des dreads pendant 6 ans jusqu'au mois dernier. J'ai décidé de les défaire pour passer à autre chose et en vrai ça m'a fait un bien fou. J'avais pas envie de raser cette fois-ci parce que j'avais déjà rasé mes dreads il y a 4-5 ans, un truc comme ça, et après je les ai refaites parce que ça me manquait trop. Mais là j'avais envie d'avoir vraiment des cheveux. Du coup je les ai démêlés avec beaucoup de démêlants, de l'après-shampoing. Je me suis servi d'un crochet et d'un peigne, enfin 3 peignes à peu près, genre des peignes fins. Et en tout j'ai mis 3-4 jours. J'ai pas fait ça seul parce que ça m'a défoncé les doigts, ça m'a défoncé les bras, c'était vraiment très relou. Mais j'étais grave étonnée de la qualité de mes cheveux. En vrai ils étaient pas tant défoncés que ça, et j'avais quand même pas mal de longueur. Du coup j'étais contente. Il y avait juste la couleur qui était pas top parce que j'avais des petites taches vu que je décolorais mes cheveux quand j'avais mes dreads. Donc il y avait des taches un petit peu plus foncées et il fallait égaliser tout ça un petit peu. Donc là j'avais demandé à la coiffeuse de me retravailler les racines pour que ma couleur naturelle descende un petit peu plus sur les longueurs, mais que je garde quand même mon blond sur les pointes et les longueurs. Et puis il fallait
évidemment couper tout ce qui était mort, donc les bouts. En vrai, je pensais qu'il y aurait que 5 cm à couper, mais vous allez voir que c'était pas trop le cas. Et je voulais une petite frange rideau et une petite coupe déstructurée, genre un peu 70s shag, un truc comme ce qu'on appelle le wolf cut en ce moment, genre un petit peu inspiré du mulet. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Je vous laisse avec la suite. Ça y est. Au début j'ai eu super peur parce que c'était court. Et bon là c'est stylisé avec un petit brushing, mais faut que je vois comment ça rend quand je sors de la douche. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires tout de suite. En vrai au début j'avais vraiment peur que ce soit trop court. Mais je crois que j'aime bien. Là je vais rejoindre Jade dans la petite sushi. En vrai j'ai l'impression d'avoir la couleur que ma mère elle a. Je sais pas, je me fais un peu penser à ma mère, mais ma mère elle est trop belle donc c'est trop bien. Il y a des moments où je vais être un petit peu en mode est-ce que j'ai bien fait? Mais je pense que j'ai bien fait, non? Bon allez, je vais rejoindre Jade, à toutes. C'est nouvelle. C'est vrai? Arrête. C'est vrai? Mais oui, c'est trop beau. C'est vrai? C'est pas trop court? Genre c'est court quand même. Mais non. Oh, c'est trop belle. La couleur, t'as fait un truc? Ouais. C'est gris. C'est comme ma mère. Bon, j'ai lavé mes cheveux juste pour voir à quoi ça ressemble, genre quand c'est naturel. Parce que du coup, hier soir, je sais pas, je me suis tapé une mini angoisse en mode c'est court, c'est gris, est-ce que j'aime? Faut juste que je m'y habitue. Yo, je suis en train de regarder des petites vidéos YouTube sur comment faire dégorger une couleur, parce que voilà, bon, la caméra ça se voit pas trop, mais c'est vraiment hyper gris, genre chaque personne que je croise, genre des potes me disent mais en fait c'est gris. Sur moi ça me plaît pas du tout en fait, et je suis déjà dégoûtée que ce soit si court, donc là en fait je vais essayer de retrouver mon blond et essayer de faire partir un petit peu la couleur. Donc là je les ai lavés tout à l'heure avec un shampoing qui est censé faire... C'est un shampoing de L'Oréal qui est censé faire dégorger tout ce qui est de chez Colorista. C'était le seul truc que j'avais dans mon placard, donc j'ai essayé vite fait. Bah forcément ça a pas vraiment marché. Après j'ai fait un shampoing anti-pelliculaire. Je suis en train de regarder toutes les techniques pour dégorger une couleur sans utiliser de décolorant et tout ça. Donc mais là je suis dégoûtée parce qu'à la caméra on dirait que c'est blond, alors que vraiment c'est pas blond, genre c'est vraiment gris genre. Si jamais vous avez des techniques miracles, n'hésitez pas à me les balancer en commentaire d'ailleurs. Je me retrouve dans ma salle de bain, j'ai décidé que j'aimais pas la couleur sur mes longueurs. Du coup j'ai regardé environ 10 voire 15 vidéos YouTube sur comment faire dégorger une couleur. C'est parti, let's go. Ce que j'ai vu c'était un petit mélange de bicarbonate de soude, liquide vaisselle qui est dans un pot, oxydant, 10 volumes, et elles utilisaient du shampoing violet, mais du coup moi je vais pas utiliser de shampoing violet vu que je veux justement avoir une couleur un petit peu plus chaude, et je vais utiliser du shampoing anti-pelliculaire à la place. Donc en fait faut mélanger les 4 trucs et après tout mettre sur la tête comme si c'était une couleur. Apparemment le bicarbonate de soude c'est trop bien pour faire dégorger des couleurs. Et je sais que quand j'avais mes dreads ça marchait trop bien, parce que du coup je les lavais avec ça, je faisais des bains de bicarbonate et ça faisait dégorger tout de suite la couleur que j'avais, genre quand je faisais du rose ou des trucs comme ça. Et je vais d'abord faire le bas de mes cheveux et après je vais faire le haut, et je vais pas toucher aux racines vu que en vrai ça va. Pour le moment je fais ça un petit peu à l'arrache, après je vais essayer de bien masser et de faire en sorte qu'il y en ait vraiment partout. J'espère juste que la coiffeuse qui m'a coiffée va pas voir cette vidéo. Oupsie. Après j'ai peut-être pas été claire quand je lui ai dit ce que je voulais, mais pourtant je vais vous montrer des photos. Et genre niveau longueur j'avais quand même, j'avais long, j'avais jusque là. Donc il y avait moyen de faire un truc avec la longueur. Et quand elle m'a coupé au début, je pensais qu'elle coupait juste le dessus des cheveux. Après j'ai remarqué qu'en fait il n'y avait rien dessous et que c'était ça la longueur. Du coup j'ai commencé à flipper
et je pense que ça s'est vu à ma tête. Mais bon, on va faire avec. Au pire, ça va bien mieux repousser cette fois-ci. Vu qu'ils sont en meilleure santé, j'en ai absolument partout. Il y en a partout dans ma salle de bain. Je vais repasser vite fait juste sur les pointes, histoire d'avoir bien plein de produits sur les pointes. Et après, stop. Ça se trouve, c'est une méga connerie que je suis en train de faire. Bon, du coup, ça fait 15-20 minutes là, et vu que je flippe à l'idée de, je sais pas, perdre mes cheveux ou une connerie du genre, je vais rincer tout ça. Enfin, je vais me laver les cheveux. Et espérer que ce soit concluant. Bon, je viens de me rincer, je vais voir à quoi ça ressemble. Je crois que ça a marché. Je suis pas sûre. Mais je crois que ça a marché. Faut que je vois sec, mais je crois que c'est beaucoup moins cendré. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure de cheveux. Voilà la couleur devant ma fenêtre, donc lumière naturelle. Ils sont un tout petit peu secs quand même à cause du bicarbonate de soude. Du coup, j'ai trouvé autre chose qui peut peut-être les éclaircir et aussi les soigner. Et c'est tout simplement du lait de coco. Donc je vais mettre ça que sur mes pointes là pour le coup, que sur les longueurs. Et je pense que je vais mettre de l'huile de ricin sur mes racines, histoire de leur faire un bon petit soin. Je vais pas refaire la technique du bicarbonate parce que mettre de l'oxydant dans les cheveux, franchement, c'est pas non plus le top. Et je pense que le faire trop souvent, c'est pas bon. La couleur a quand même un peu dégorgé et niveau racine, je suis contente, hein, c'est nickel, mais c'est encore un petit peu trop cendré. Je vais essayer de dégorger encore une dernière fois, et cette fois avec le lait de coco. Et puis si ça marche pas, bah tant pis, je ferai avec. Je vais juste l'appliquer genre comme ça, hein. Je vais pas vous filmer ça, ça sert à rien. Et je vais laisser poser pendant quelques temps, je sais pas, genre cet après-midi. Je vous dirai ça. Ça a marché, je suis trop contente. Et en plus de ça, ça leur a fait un soin de ouf parce que du coup, vous pouvez voir que mes petites bouclettes sont en train de revenir et ça c'est vraiment trop cool. Donc là, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis une petite crème coiffante dans mes cheveux et je les ai scrunchées comme ça vers le haut avec mes lunettes. Et voilà, donc je suis contente. La longueur c'est toujours court, mais bon, ça j'y peux rien. Je vais essayer de faire en sorte qu'il pousse plus vite. Niveau couleur, c'est déjà beaucoup mieux. Tout le gris, enfin presque tout le gris est parti. C'est vachement plus lumineux, vachement plus chaud qu'avant. Je suis ravie. J'ai l'impression de retrouver une coiffure d'été en fait. Et pas une coiffure de daronne d'hiver. Voilà, donc je suis ravie, ravie. Le lait de coco, en vrai, ça marche trop bien du coup. Hein. Et même genre pour... Ils sont tout doux. Genre pour les soigner, ils sont tout doux. C'est trop trop bien. C'est trop trop bien. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai fait un truc, un masque hier avec le bicarbonate et aujourd'hui avec ça, mais ça a trop trop bien marché, donc je suis trop contente. Parfait pour aller boire un verre à l'évêché ce soir. Le début de la vidéo a commencé il y a une semaine exactement. J'ai vraiment pas pu faire grand chose dans cette vidéo, je suis désolée, sinon elle aurait duré 1000 ans et en plus rien n'aurait eu un rapport avec bah, tout ça. Genre je voulais vous montrer la boutique, je voulais vous parler de ce qui s'est passé entre temps depuis que j'ai fait la dernière vidéo. Et en fait, bon là cette vidéo-ci parlait essentiellement de mes cheveux, évidemment. Mais il va y avoir toute une flopée de vidéos qui va arriver. Je vais filmer, je vais prendre du temps dans mon agenda pour filmer. Parce qu'en vrai ça me manque de ouf genre de vous parler et d'interagir avec vous. Du coup voilà, donc ça c'est une petite promesse que je vous fais. Par contre je vais pas reprendre le même rythme qu'avant, genre tous les dimanches et tout, parce que je ne pourrai pas m'y tenir, donc ce sera quand je pourrai. Pour ceux qui veulent en voir plus, vous pouvez aller checker mon Instagram, vous abonner et évidemment vous abonner aussi à ma chaîne, ça me fera super plaisir. J'ai pas voulu nommer la coiffeuse dans cette vidéo parce que du coup elle a fait un bon boulot hein, en soi, genre c'est pas ça, c'est juste que moi ça me plaisait pas et tout, mais j'ai pas du tout envie de faire de mauvaises pubs ou quoi que ce soit, donc j'ai décidé de pas mettre son nom.
Même si j'ai vu des trucs qu'elle a fait sur des copines et c'était vraiment magnifique, donc c'est juste que moi ça me plaisait pas. Puis j'imagine déjà que certains d'entre vous vont essayer de me rassurer en disant que c'est joli quand même, mais c'est juste que moi perso ça me plaît pas, et quand je fais une fixette dessus, ça commence à devenir une genre d'angoisse pour moi, donc voilà. Anxiété, bonjour, me voilà. Bon, maintenant je suis vraiment satisfaite de ma coiffure, donc c'est cool. Là je les ai attachés parce que je vais me faire un petit soin après, et ils sont un peu sales, donc voilà. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, les vidéos qui vont arriver, donc je pense qu'il va y avoir surtout des tutos couture, des vidéos sur le tatou. Demain je me fais tatouer, donc peut-être que je vais faire un petit vlog tatou. Des vidéos cheveux, parce que là j'ai des cheveux, donc je vais pouvoir vous faire des crash tests et des trucs et des soins, des machins, donc j'adore ça, donc je vais pouvoir vous faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, des trucs sur ma friperie, parce que je vous en ai pas du tout parlé du coup dans cette vidéo, mais il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur ma friperie. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous fais des gros bisous. Ah, ça m'avait manqué ça.